Bah, c'était, ouais, c'était important, Fabrice, de renouer avec des points. Enfin, c'est un point déjà, et c'est contre le deuxième du championnat. Donc c'était un vrai challenge à relever. C'était le deuxième contre le 16e. Une équipe qui était sur 5 victoires d'affilée, nous 4 défaites. Une équipe qui prend peu de buts. Donc il y avait des vrais challenges, des vrais défis à relever. Et on a réussi à avoir deux demi-temps assez complètes et assez abouties qui fait qu'à un moment, on a pu prendre ce point, quoi. Oui, c'était aussi de solidifier notre équipe par rapport justement à ces 4 défaites qu'on avait pu concéder. Et dans ce système-là, il faut avoir des joueurs capables de prendre de la vitesse. Et c'est ce qu'on a fait. Enfin, la première mi-temps, il faudra que je revoie, mais on a sans doute plus de situations en première qu'en deuxième. Mais même sur la deuxième, il y a eu des situations intéressantes. Donc, c'est une satisfaction. Et puis, Ilyes a fait le boulot jusqu'au bout, et Aaron jusqu'à ce qu'il sorte aussi. Donc, c'était intéressant de pouvoir donner de la fraîcheur aussi. C'était ça aussi sur les offensifs. Hein, la rentrée de Gaëtan aussi a fait du bien. Cette semaine à 3 matchs, c'était important d'avoir de la fraîcheur, notamment sur les offensifs. C'était un problème ischio. Ouais. Alors on se contentera d'avoir retrouvé une défense hermétique. Et puis voilà, il y a eu à revoir le match, mais il y a eu des situations ou des occasions qui, voilà, maintenant continuent à bosser sur ce système ou un autre, mais en tout cas de s'appuyer sur ce match-là, en fait. Ce match a livré. Enfin, ouais, on pouvait croire effectivement par rapport à l'état d'esprit que ça pouvait être compliqué, même si on avait retrouvé des belles vertus à Grenoble malgré la lourdeur du score. On est donc sur cette continuité dans l'état d'esprit de ce qu'on a pu faire sur Grenoble, et puis un match abouti et assez plein sur ces demi-temps. Oui, après, je ne sais pas, au niveau de la possession, je pense qu'Ajaccio va être devant. mais c'était notre plan de jeu aussi. Voilà. On est 16e, Ajaccio 2e, donc c'était effectivement... Et puis nous, on avait ce besoin urgent de points. Oui, je pense que c'était de vouloir faire quelque chose. Voilà, on est montré qu'on était capable de... à nouveau de pouvoir tenir la dragée haute à des équipes du haut de tableau, et en plus c'est ce qui va se dérouler maintenant avec les deux matchs qui viennent, notamment avec le PFC au PFC et puis Sochaux. Donc c'est important sur ces matchs-là d'avoir montré qu'on était capable de tenir la dragée haute à cette équipe d'Ajaccio. Oui, enfin, effectivement, oui. Là, c'est quelque chose qu'on a décidé là aussi avec le staff de changer ce système par rapport justement à nos forces en présence, par rapport à justement aussi à cette équipe qu'on affrontait. Donc, c'est de continuer à bosser. Là, c'était ça l'état d'esprit dans le vestiaire ce soir après le match nul. C'était une satisfaction du match assez abouti, d'avoir pris un point, d'avoir renoué avec le compteur point. Mais tout de suite, là, les mecs qui étaient là à dire on va récupérer et tout de suite se remettre au boulot dès lundi, parce qu'évidemment, il y a encore des points à aller chercher pour se maintenir. Et il y a aussi une belle ambiance, ça change de comment ça peut compliquer qu'il y a eu au Reno récemment. Ouais, c'était chouette, c'était super chouette, oui, bien sûr, de retrouver notre public qui a été vraiment là de bout en bout et qui nous a porté, parce qu'il y a eu des moments un peu délicats. Et
Ouais, c'est un vrai bonheur. Ouais, c'est un vrai bonheur de pouvoir jouer dans un stade où il y a une ambiance comme ça. Ouais, et puis aussi d'avoir nos supporters même sur les matchs à l'extérieur. À Paris, c'est pas non plus. Comment ? C'est pas si loin. C'est pas si loin de pouvoir avoir des. Parce que le Charletti, ça peut sonner creux, donc s'il peut avoir des supporters avec nous, ce sera bien. Allez, bonne soirée les garçons. Ciao, ciao.